Donc c'est ça qui m'a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe-t-il? The mansion's under attack. We need to help. Some felons broke in and started killing everyone. I barely made it. Hurry, we have to help the guards fight off the attackers or we'll all be cut down one by one. Le tuto combat, évidemment. Directement. Alors, combat. Le combat se déroule en temps réel, mais vous pouvez mettre le jeu en pause à tout moment pour évaluer la situation, donner des instructions à vos compagnons pour mettre en pause ou reprendre la partie, appuyez sur espace. Cliquez sur un adversaire pour l'attaquer, basculer d'un mode à l'autre, utilisez les options du jeu. J'ai pas mis le mode en tour par tour du coup? J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Ça se déroule toujours sans accroc. Juste que le plan n'est pas défini à l'avance. Ça, c'est différent. La GD, la plupart des mécanismes du jeu s'inspirent du jeu de rôle Pathfinder. Des G de D déterminent donc le résultat des actions. Le dé principal se compose de 20 faces, donc un D20. Il permet de résoudre des attaques, des tests de compétences et autres. N'importe quel test d'ailleurs. Initiative. Au début d'un combat, tous les participants effectuent un test d'initiative. Plus le résultat est élevé, plus un personnage peut agir tôt. Donc ce qui donne l'ordre de jeu. Les scores d'initiative sont consignés dans le journal de combat. Le combat se divise en rounds de 6 secondes. Ok. Jet d'attaque. Une attaque correspond à la tentative d'un personnage de frapper un adversaire. Le résultat d'un jet d'attaque dépend de deux facteurs divers, tels que l'armée utilisée, les capacités de combat, etc. Une attaque est réussie si le résultat du jet d'attaque est au moins égal à la classe d'armure de la cible. Ok. Dégâts. Le nombre de points de dégâts infligés par une attaque réussie dépend de l'arme utilisée ainsi que d'autres facteurs tels que les bonus conférés par les sorts. L'armure aussi. Les résultats des jets d'attaque et les points de dégâts infligés sont consignés dans le journal. Ok, je pense que c'est aussi déduit de l'armure du mec en face. Okay. Classe d'armure. Plus la classe d'armure d'un personnage est élevée, plus il est difficile de lui porter une attaque. La classe d'armure. Et 1 se calcule à partir de différents facteurs tels que les caractéristiques de l'équipement, le bonus en dextérité, des capacités passives. Ok. Donc là, il va m'apprendre le tour par tour. Lors des combats au tour par tour, les protagonistes agissent l'un après l'autre lors de leur tour d'intervention étant déterminé par les résultats différents des tests d'initiative qu'on vient de voir juste avant. Une fois son tour venu, un personnage peut effectuer différentes actions. Ensuite, ce sera au combattant suivant. Donc différentes actions, on va voir s'il y a plusieurs points qu'on pouvait avoir dans Baldur's Gate. Lors des différents programmes, dépend des résultats, ça on le sait. Ok. Alors là par contre important, pour des raisons tactiques, vous pouvez décider de retarder le tour de l'un de vos personnages en sélectionnant la file dans la file d'initiative. Attention, cette action est irréversible, ce nouveau score d'initiative sera conservé. Ah! Alors on peut déjà repousser à la fin du tour un personnage, le tour de jeu d'un personnage, ça existe dans plusieurs jeux. Par contre c'est irréversible. Jusqu'à la fin du combat. Ok. Mais oui, on a des personnages qui font des combos, des fois ça peut être intéressant que l'un joue avant l'autre, même si on a un petit problème d'initiative. Ok. Wow, c'est quoi tout ça? Ouais, action, mouvement, ouais, on est dans ce genre de choses, ok. Dans son tour, un personnage peut effectuer une action simple, une action de mouvement, une action rapide et autant d'actions libres qu'il le désire. Le tout prenant en théorie 6 secondes. Ok, on est basé sur un système de 6 secondes et on peut faire ce que l'on veut à l'intérieur du moment que ça ne dépasse pas 6 secondes. Ok. Bah là pour l'instant j'ai juste discuté un peu avant avec le futur compagnon Bard j'imagine. Et là le tuto combat se lance, le manoir est attaqué. Et je commence à lire le didacticiel sur le tour partout. Donc c'est à dire pas grand chose pour répondre à ta question.
Oui, non, voilà. Le plus souvent, les attaques de mouvement. Les actions de mouvement permettent de se déplacer ou de boire une potion. Ou de boire une potion. Ok, c'est pas juste un mouvement. Donc, ok, on peut avoir une action dans une. Ok. Tandis que les actions simples offrent la possibilité de lancer une attaque ou un sort, voire de poursuivre son mouvement. Une course. Les actions rapides d'activer des capacités de classe spéciale. C'est spécial, justement. Ces règles ne sont toutefois pas immuables. Il convient de noter aussi l'existence d'actions complexes qui consomment l'action de mouvement et l'action simple de personnage. Je pense qu'au moment de la sélection, ils me disent ce que je dois apprendre. Par défaut, le système opte pour une combinaison optimale, la petite action, etc. Round Surprise. Votre groupe bénéficie de l'avantage d'un round de surprise lorsqu'il entame le combat contre un adversaire qui ne l'a pas remarqué. Ok. J'imagine que l'inverse est aussi possible. Cela lui permet d'effectuer un certain nombre d'actions avant que l'ennemi ne puisse réagir. Action de mouvement. Par une action de mouvement, un personnage peut courir une certaine distance, en fonction de sa stat de vitesse, boire une potion, et c'est ce qui m'étonne, et changer de groupe d'armes. Ok. Il n'est pas possible d'effectuer des actions en mouvement lors d'un round de surprise. Ok. L'inverse est aussi possible, oui, j'imagine que une petite balade en forêt et on se fait attaquer par des zombies. C'est pas le bon jeu. Des bandits déjà, ça serait déjà pas mal. Tu me diras, il y a la nécromancie, donc des zombies c'est possible. Action simple, la plupart des activités liées au combat, comme une attaque, l'activation d'un objet magique hein, ou le lancement d'un sort nécessite une action simple. Il est aussi possible d'utiliser une action simple pour se déplacer. Comme il s'agissait d'une action de mouvement, ce qui va faire un mouvement deux fois plus long. Bien sûr, on perd son action simple. Action complexe. Une action complexe nécessite plus de temps. Il remplace donc pour ce tour l'action simple et l'action de mouvement. Donc il prend les deux, ok. Move attack, move x 2. Il n'a pas d'exemple d'un move attack. D'une attaque complexe. Même s'il reste en mesure d'effectuer une action rapide et des actions libres, une action complexe permet de se déplacer double de la distance normale ou de lancer une attaque à outrance. En effet, si un personnage est capable d'attaquer plusieurs fois par round, il doit recourir à une action complexe s'il veut bénéficier de la totalité de ses attaques. Et certains sorts, comme les convocations de monstres ou capacités, la charge par exemple, nécessitent aussi une action complexe. La charge, ça fait mouvement et attaque. Convocation, c'est trop cheaté pour faire ça avec un mouvement, j'imagine. Déplacement de 5 pieds, 1,5 mètres. Un personnage peut se déplacer de 1,5 mètres sans provoquer d'attaque d'opportunité de la part de ses ennemis. C'est la première fois que je vois ça. En revanche, il n'est pas possible de cumuler ce genre de déplacement avec un mouvement normal au cours d'un même round. Oui, tu fais un 1,5 mètres et ensuite tu fais un autre... notre mouvement, ok. Mais du coup, tu peux te décaler un tout petit peu sans te prendre l'opportunité. Mmh. Maintenez left shift. Left. Right, droite, donc shift gauche, ok. Pour effectuer un déplacement au lieu du... Ok. Sur rapide gratuite, ces actions permettent d'activer les capacités spéciales d'un personnage. Je verrai bien ce que j'ai. Figure notamment dans les catégories châtiment du mal, jugement, l'attaque de contact nécessaire lancée de certains sorts. Maintenez contrôle afin d'ignorer les ennemis et autres objets d'emplacement sur le curseur et de sélectionner avec précision l'endroit où déplacer le personnage. Ah oui, je crois qu'il y avait un... Ok. Donc si je fais ça, tu fais un déplacement et une attaque, logique. Donc il a deux capacités de ce que je vois. La discrétion, c'est mort. Activer l'IA, ok, pour le rendre automatique. Ok. Keto a fait à 14 et le loup a fait 20. Donc le loup joue en premier. Et lui, il a fait combien? Il a fait 1. C'est vraiment le tuto. Hein. Oh. Ok. Ok, et donc du coup,
et une action libre, c'est quoi? Un personnage peut combattre sur défensive. Un personnage peut choisir de subir un malus de moins 4 sur ses jets d'attaque et ses manœuvres offensives en échange d'un bonus d'esquive. Ok. S'il possède le rang 3 ou plus, mobilité. Là. Il y a combien de CA, notre cher loup? Sachant que sur ton avatar en bas, tu as des flèches pour faire apparaître ton loup. Ça clique derrière l'interface. Quelle est cette fourberie? Évidemment, je peux plus faire ça du coup. Sachant que sur ton avatar en bas, tu as des flèches pour faire apparaître le loup. J'ai pas compris ta phrase. En tout cas, je vois pas ce que ça représente. Bon, du coup, je vais faire attaquer. Échec 2, 5. Qui est convocation d'alliés surnaturels? Un soin. Et appel cacophonique. Le personnage emplit l'esprit de sa cible d'un vacarme retentissant de son discordant, ce qui le gêne à se concentrer et à agir. Ok. Le sort se recharge à chaque fois que tu dors, donc attention. Ouais, c'est le petit inconvénient. Moi, j'imagine qu'au début, c'est le tuto, il te laisse faire. On va se dormir assez vite. Quoique, j'étais réveillé en pleine nuit. Et il me dit qu'effectivement, j'ai une opportunité. S'il se déplace, voilà. C'est juste, ça peut me permettre de s'écarter un tout petit peu si j'avais un sort qui ferait... Ok, je vois le principe de ça. Ok, je peux passer son tour, ok, comme ça. Pour l'instant, il attaque au corps à corps. C'est puissant comme cimetière, hein, cette arme. Hein. À utiliser les sorts avec parcimonie, surtout au début. Oui, oui, oui. Je vais m'amuser à tous les tester, du coup. Je pense que c'est assez facile au début pour éviter que tu te retrouves dans une situation complexe. Vous pouvez interagir avec différents éléments tels que les cadavres de vos amis. Enfin, il n'y a même plus de cadavres, ah si. En cliquant dessus, les éléments... Est-ce qu'on a une touche? Ah non, pardon. Je voulais voir. J'ai un CA de 15 sur lui et un CA de 18 sur le loup. Ah oui. Il y a une bonne esquive. Ah, c'est Tab que je cherchais. C'est Tab, ok. Tu as des sorts gratuits avec qui sont les sorts de niveau 0. Tu peux les voir en combat avec le S dans le roi. Ok. Là, si je vais sur mon grimoire, niveau 1, niveau 1. Hop, voilà. Faut pas que je déplace. Il y a des sorts gratuits et qui... Mais je fais comment pour les placer? Je cherche pas, t'as les raccourcis en combat. Ok. Donc faudrait que je les place tout à l'heure du coup. Vous pouvez interagir avec, donc ça j'avais vu, c'était Tab du coup pour voir...
facilement. Ce qui est cliquable, ça c'est la touche que j'ai utilisée tout le temps. Des petites sauvegardes parce que là le combat était très complexe quand même. Les assassins, déjà là, vite, suivez-moi. Journal de Lizzie consigne vos missions. C'est ton journal. Excellent. Lorsque le statut change, une notification vous avertit, appuyez sur J. Donc on est toujours sur En route vers la gloire. Ils ont même rendu le suivi du journal un massacre. On ne peut pas les laisser faire. Regardez, ils s'enfuient, rattrapons-les. Ok, vais-je bien pouvoir faire ça? Bon. Arrivez-vous au combat. Voilà quand tu veux. Ah, zut. Ah oui, du coup... Ah non, non plus. Ah, ok, c'était ça. Ok. Alors... Et tu dis que le niveau 0 se recharge ? Donc, ok, la cible est imprégnée d'énergie magique et ce qui protège en trouvant un bonus de résistance à 1 au jet de sauvegarde. Je peux lancer ça sur l'eau par exemple. Ah, c'est du cac. C'est un échec ce que vous venez de faire, monsieur. J'ai fait un double déplacement du coup. C'est une boulette en turcule du coup. Hein. Bon, voilà. C'est... C'était le premier combat, c'est normal, ça fait ça quand c'est neuf. Ok, des bonus de côté. Et... Ah lui aussi il a des trucs hein. Une action complexe, un personnage peut tenter d'achever un adversaire sans défense en lui donnant un coup de grâce. L'une... À l'aide d'une des armes au corps à corps. L'attaque touche automatiquement et inflige un coup critique. Même si la cible survit aux dégâts, elle meurt. Mais attends, c'est pété ça. C'est quoi le malus là? Un coup de grâce provoque une attaque d'opportunité de la part de l'adversaire à portée. Ok. Il est impossible d'asséner un coup de grâce. Créature immunisée contre... Il y avait la charge. La compétence éloquence peut être utilisée pour intimider un adversaire. Le loup n'a pas vraiment... Non, j'ai quel personnage? Le loup peut soigner? C'est quoi? La condition est vraiment trop compliquée pour que ce soit utile. Ah, parce que du coup, j'arrive pas à voir la condition. Mais par contre, le loup peut soigner. Tout personnage possédant une compétence peut s'occuper d'un malade ou d'une victime d'un empoisonnement. De manière effective pour cela un test de connaissance sacrée. Si le résultat dépasse de la maladie, du poison... Ok, il peut soigner de maladie, c'est original. Le personnage peut utiliser la compétence d'acrobatie pour traverser l'espace contrôlé par un ennemi sans provoquer d'attaque d'opportunité. Ok. You're just in time. Bon, le loup est pété, hein, parce que bon, quand même, il tue tout d'un coup. I don't even want to think about it. Can you imagine what a terrible loss this would have been? But it's all right now. I'm safe, sound and unscathed, ready to lead you to victory. Lady Jamandi is holding the line in the banquet hall. You know, the one where she had us gathered before. We need to make our way to her.
And along the way, we'll try to save some of these dummies who are supposed to accompany us to the Stolen Lands. Speaking of dummies, take this ring. Quiet now, so that little fool doesn't hear us. She might try to steal it herself. It's magical. It'll protect you. You'll need it while you work to defend me. Cadeau de Tertusio, ok. Tuto équipement, du coup. Ton ennemi doit faire moins de 10 à son D20 plus modificateur de toutes parts. J'ai pas envie de faire des maths. Pour équiper, ok. Cet anneau confère un bonus de part d'à plus 1 à la CA, ok. Ça cesse du coup. Non cumulable avec les autres bonus. J'ai jamais réussi à vraiment comprendre le système, ce système de calcul. Peut-être que j'ai pas envie de m'y faire, hein, mais... Les informations s'affichent lorsque vous passez le curseur. Bon, ça c'est le système d'objets classique. Du coup, il a rejoint mon équipe. L'inventaire est commun. Oui, ça c'est bien. D'ailleurs, chacun peut ramasser, ça ramasse ça à tout le monde. Et l'inventaire est commun, ça c'est bien. Pour débloquer l'autre côté, ok. Compagnons. Votre groupe compte maintenant plusieurs compagnons. Pour sélectionner un personnage unique, cliquez sur son portrait, appuyez sur le Alt plus 1 jusqu'à plus 6. Si le 1 à 6 est bien paramétré. Pour sélectionner plusieurs personnages à la fois. Ok, est-ce qu'on a un... Non, là c'est dans la poubelle, y'a pas... dans la poubelle, dans les objets à vendre. Ok... Pourquoi ils ont un petit truc rouge? C'est qui en premier? Bah c'est toujours le loup en premier, visiblement. Combat avancé. Sort, Lindsay et Tertusio peuvent lancer des sorts pour utiliser un sort qui est sur l'icône correspondant dans la barre d'action. Au menu des sorts, puis ça cible blablabla. Pour les prêtres et druides les rôdeurs et les magiciens, les sorts sont préparés à l'avance et utilisés lorsqu'ils sont lancés. Les personnages doivent ensuite observer une période de repos avant de pouvoir lancer à nouveau. Les bardes et les inquisiteurs et les ensorceleurs peuvent lancer leur sort plusieurs fois par jour, mais leur répertoire est plus limité. Ok. Les sorts peuvent avoir diverses caractéristiques, telles que la portée, la durée, les cônes. Pour étudier un sort d'un personnage, appuyez sur Grimoire, appuyez sur B. Un tout nouveau sort aux capacités similaires apparaît automatiquement dans le premier emplacement libre de la barre. Ils auraient pu tout remplir déjà de base. Cet ajout produit immédiatement dans le cas des lanceurs de sorts spontanés, etc. Cette icône indique l'effet surprise qui permet de faire des attaques d'opportunité. Ok. Pour les roublards et toute personne qui connaît le trait attaque sur masse. C'est-à-dire qu'il n'y a que le loup qui n'était pas surpris, hein ? Bizarre. La plupart des personnages sont dotés de capacités utilisables. Des abilities. Éventuellement limité par un certain nombre de charges. Utiliser une capacité, cliquez sur l'icône correspondante dans la barre d'action. Attaque d'opportunité, certaines actions effectuées à proximité d'un adversaire. Mmh.
lance sur un membre de sort fait briller que la lumière une torche qui permet d'éclairer jusqu'à 6 mètres. Ça, c'est vraiment très utilitaire. Fatigue. D'un simple toucher, le lanceur de sort peut fatiguer la cible en lui infligeant une décharge d'énergie négative. Il doit effectuer une attaque de contact pour toucher sa victime. Celle-ci est alors fatiguée pendant toute la durée du sort. Fatigue n'a aucun effet si la cible est déjà fatiguée. C'est quoi l'effet du coup? Très étrange. Ce sort élémentaire crée une petite explosion de lumière si celle-ci se produit devant une sorte créature. Jus de vigueur pendant moins 1. Ils ont tous soigné de fiction, j'ai l'impression. Donc tout à l'heure j'étais en train de préparer les trucs. Ça c'est ce qui est mis là. Ah oui non, il y a ça en plus. Stimulant. D'un simple toucher, le personnage insuffle un infime regain de force vitale, ce qui offre un point de vie temporaire. C'est vraiment... c'est le point de vie quoi. Ce sort fournit à la créature une assistance divine momentanée, c'est traduit par un bonus de plus 1 à jet d'attaque. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Fatigue donne l'effet facile qui permet un debuff sur la cible ennemie de préférence. Debuff qui fait qu'elle est moins résistante et moins douée pour toucher. Ok. Tu dis que c'est presque jamais utilisable ce genre. Est-ce que je peux donner un coup? Ouais. Ah, c'est la première fois que j'ai pas one-shot quelqu'un. Destruction de morts vivants, bon, c'est contre les morts vivants, j'imagine. L'essor a la capacité en rayon d'action représenté par le sac de jaune. Ça, ouais, ça. Ça va. Main brûlante, toutes les créatures dans un cône de 15 pieds. Ok, donc là c'est le fusil à pompe. Action simple, projectile de dégâts. Ok. Une orbe d'acide. Rayon de givre. C'est-à-dire qu'il attaque directement avec son bâton. Ok. Il a... Ouais, il reste un PV quoi. 5 points de vie. Ouh, c'est ce qui lui reste. Et donc, ouais, je peux rajouter. Tu n'es pas obligé de les mettre dans la barre de raccourci, tu peux utiliser le menu. Ouais, je me disais que. Ouais, pourquoi il y a ces deux systèmes du coup? Parce que tu ferais que sélectionner ça normalement du coup. Là j'utilise cette compétence, là je peux utiliser que des libres. Et en libre c'est ça quoi. Ça en mode défensif. Ou une acrobatie.
quoi griffe dans son cœur. Ok. Au niveau 1, un sorceleur peut se doter de griffes par action libre. Cette griffe peut fonctionner comme des armes naturelles. Il lui permet de porter deux attaques de griffes en utilisant bonus d'un sorceleur au cours d'une attaque à outrance. Okay. Ou plus de lisibilité au niveau. À haut niveau, tu verras. Okay. Il est mort. Assassin a arché, attaqué Keto, arc court, échec. Et ça l'a tué ? Pas compris. Là, je regarde le. Donc, chaque personnage dispose d'un certain nombre de points de vie. Lorsqu'il tombe à zéro, il perd connaissance après le combat. Le personnage reprend ses esprits, il peut être contrôlé. Les PV peuvent descendre en dessous de zéro, mais attention. Car le personnage meurt lorsqu'il atteint un montant négatif, équivalent à la valeur de constitution. Pour ramener les vies, vous devez lancer un sort spécial, donc okay, bon, la mort n'est pas définitive. Pour gagner des points de vie perdus, vous pouvez utiliser des sorts de soins, des potions, se reposer. Les potions de soins peuvent être achetées auprès des marchands, obtenues auprès de combats. Et les classes peuvent, certaines classes peuvent soigner. Pour utiliser des objets de consommables tels que les parchemins, c'est peut-être le troisième menu, ça j'avais vu. Et on peut les mettre dans la ceinture. Tu as mis une attaque d'opportunité. Affiche de dégâts assassin. Keto lance une attaque d'opportunité contre archer. Mais l'opportunité, je croyais que c'était que quand on se déplaçait. Une attaque à distance ou un sort lancé au cac déclenche une attaque d'opportunité. D'accord. Et pas que dans les déplacements du coup. Ok. Donc là, il y a un grand intérêt de changer d'arme quand tu es au cac avec... Ok. Chaque jeu gère différemment le fait de tirer à l'arc au corps à corps. Certains mettent un malus quand tu tires au cac. Et ce jeu-là, c'est carrément une attaque d'opportunité que tu prends dans la gueule. Une invitation à changer d'arme pour le cac. Ok. Original. Oh. Et ça aussi, ça c'est original. Le loot complet instantané. Ah, c'est bien. Je peux l'ouvrir de l'autre côté. Quoi ? Non, non, la porte n'est pas bloquée par l'autre côté parce que j'étais déjà de l'autre côté, tu m'as dit la même chose. Te fous de ma gueule. Non mais... je te laisse pour le coup, je viendrai peut-être plus tard. Ok, bah merci d'être passé. Onwards!